J'ai rencontré mon père dans un hôtel à Strasbourg que je ne saurais pas situer. L'immeuble faisait environ 4 étages. Devant, il y avait quelques places de parking. On entrait par une porte vitrée. La réception se trouvait sur la gauche. Il y avait un ascenseur au fond. Un escalier en bois avec un tapis qui parcourait les marches et assourdissait les pas. La façade était plutôt moderne. La pierre blanche. Il y avait des bas-reliefs de forme géométrique, je crois. C'était pendant les vacances d'été. J'avais 13 ans. Je venais de finir ma 5e. Ma mère avait eu l'idée d'un voyage dans l'est de la France. On a quitté Châteauroux au début du mois d'août. On s'est arrêté à Reims, à Nancy et à Toul. On est arrivé à Strasbourg un jour de semaine, en fin de matinée. Ma chambre se trouvait au 2e étage et donnait sur la rue. Celle de ma mère à l'étage du dessus, dans la partie latérale. La mienne devait être à l'est ou au sud-est, car il y avait une très forte lumière. Le papier peint était jaune. J'avais ma salle de bain, mes toilettes. Habituellement, ma mère et moi partagions la même chambre. Mon père avait fait la réservation et téléphoné. Elle me l'avait passée. J'avais éclaté en sanglots en entendant la voix. J'étais assise sur le lit, anxieuse. On a frappé à la porte. Ma mère est entrée. « Bon, il vient de m'appeler. Il sort de son bureau, il sera là dans 20 minutes. Tu préfères l'attendre ici ou en bas, dans le hall ?»« Ici. » Je me suis mise devant la fenêtre. Mon cœur battait. « Qu'est-ce qu'il a comme voiture ?» La dernière fois, il avait une DS, ça fait un certain temps. Il a dû en changer depuis. « De quelle couleur ?» Alors ça, bleu peut-être ?« Reste pas là-bas, Christine, viens. Viens t'asseoir à côté de moi. » J'avais vu une seule photo de lui, elle datait d'avant ma naissance. Il portait une chemise blanche dans un pantalon ceinturé. Il était mince. Il avait les cheveux bruns, des lunettes. La figure masculine de mon enfance était mon oncle. Je lui avais offert une année le cadeau fabriqué à l'école pour la fête des pères. Un étui à peigne en sky qui se glissait dans la poche d'une veste. Parce qu'il aimait se parfumer et s'habiller, et que je n'ai pas osé l'envoyer à mon père. En le lui donnant, j'ai été gênée. Je ne l'ai jamais vu l'utiliser. Mon grand-père venait à Châteauroux une fois par an. C'était un juif d'Europe centrale né à Alexandrie qui parlait 10 langues. Les rapports entre ma mère et lui étaient très difficiles. Il y avait peu d'hommes dans mon entourage. Les rapports étaient lointains. Les conversations limitées à la politesse. Les commerçants, les pères de mes copines, tous mes professeurs étaient des femmes. Je fréquentais l'établissement privé de la ville. Les pères attendaient leurs filles le samedi à la sortie. Je les apercevais de loin assis au volant de leur voiture, la plupart du temps une déesse, ou j'en apercevais un dans le couloir d'un appartement quand j'étais invitée à un anniversaire. On a frappé à la porte. Mon père est entré. L'image que j'avais élaborée à partir de la photo que je connaissais ne correspondait pas à la réalité. Je n'avais vu ce genre d'homme qu'à la télévision ou au cinéma. L'allure élégante et décontractée. Pas de cravate. Le pli du pantalon retombait sur le bout de la chaussure. Les cheveux étaient très noirs,
un peu long sur la nuque, une mèche sur le côté. Je me suis jetée dans ses bras en pleurant, la respiration hachée par les sanglots. Je suis contente de te connaître. Je pleure aussi parce que je suis contente. Je suis contente. Moi aussi, Christine. Il a refermé les bras sur moi. Ma mère a posé une main sur ma nuque et m'a dit des paroles rassurantes. La pièce était remplie de lumière. Il avait réservé une table au buffet de la gare qui figurait dans le guide Michelin et faisait des spécialités alsaciennes. Tu aimes la choucroute? Pas tellement, non. Je vois que tu as de la personnalité, en tout cas. Ma mère a dit, l'œil brillant, le coin de la lèvre légèrement relevé. Elle a de qui tenir, Pierre. Il a souri. Le sourire était très particulier, les lèvres fines et très étirées. Dans l'ascenseur, il tenait une cigarette entre ses doigts. Les mains avaient la même forme que les miennes. J'ai été surprise que ma mère ne m'ait pas parlé de cette ressemblance. Puis on est passé devant la réception. Je me suis représenté l'image qu'on donnait en guettant les regards avec cette image en tête. J'ai senti une bouffée d'orgueil qui m'envahissait. C'était une sensation de légèreté et d'importance à la fois. Sur le parking, il marchait devant moi. Il n'était pas aussi mince que sur la photo que je connaissais. Il venait d'avoir 44 ans. Tout indiquait la confiance en soi, la manière d'allonger le pas, le balancement des épaules, la façon dont elle jouait dans la carrure de la veste, la tête haute, le dos droit. Ma mère ne déparait pas. Jupe blanche, chemisier vert, collier en ivoire, boucle d'oreille. Il a pointé une direction avec ses clés de voiture au bout du bras. Tu vois la blanche là-bas ? Le voyage dans l'Est était fondé sur trois raisons. La candidature que ma mère venait de poser à la Sécurité sociale de Reims, une amie qui lui avait prêté un appartement à Toul, et la nouvelle loi sur la filiation qui permettait au père, avec l'accord de son épouse légitime, de reconnaître a posteriori un enfant naturel. Ta maman me dit que tu es bonne élève. Oui, mais j'aime pas les maths, je préfère les langues et le français. Ils sont bilingues, tes enfants ? Leur mère s'adresse à eux en allemand depuis qu'ils sont nés. Ils n'ont pas d'accent ? Ils parlent comme des petits Allemands, c'est très amusant. Tu connais combien de langues ? Il a cité un chiffre entre 20 et 30 en le disant approximatif. J'aimerais bien rencontrer tes enfants. Ils sont encore petits, tu sais. C'est pas grave. Tu parles aussi chinois et japonais ? Christine, tu vas laisser ton papa un peu tranquille ? Il a répondu qu'il n'était pas spécialiste de ces langues, les pratiquait et lisait les journaux. Dans ce domaine, un de ses collègues occupait le poste qu'il occupait pour la langue indo-européenne. Il a ajouté en souriant, « Nous sommes de bons éléments. » L'après-midi, ma mère et moi nous sommes promenés sur les quais de la Petite France, le quartier qui nous avait conseillé de visiter. Il est formidable, maman. Tu vois que je ne suis pas allée te chercher n'importe qui. Le fait qu'il l'ait rejetée quand elle avait été enceinte, après avoir voulu un enfant d'elle. La mise au ban qui en avait résulté dans la société de l'époque. Qu'il se soit marié avec une Allemande quelques années plus tard dans des circonstances analogues. Tout était oublié, relativisé, justifié.
et j'adore son genre d'humour. C'était drôle quand il a dit « nous sommes de bons éléments ». Il a dit ça, oui, tu sais, à propos de la personne qui fait le même travail que lui au Conseil de l'Europe pour les langues asiatiques. Le lendemain, on est parti à Gérardmer. Il faisait beau. On roulait vitre ouverte. Les pieds nus posés sur le tableau de bord, j'avais les cheveux au vent. L'hôtel donnait sur le lac. Un escalier en pierre desservait les étages. De mon lit, je voyais le soleil couchant et une petite lampe éclairait la lecture. Il nous a rendu visite le samedi. On s'est promené dans un parc. À propos de la lumière intense qui s'abattait sur l'herbe verte, il a utilisé l'expression « Zatgrün ». En précisant que « Ich bin satt » signifiait en allemand « je suis rassasié ». Son visage s'est illuminé à la pensée de l'accord. Entre la couleur de l'herbe et les mots, c'était ça, un verre rassasié, repu, comblé. Il a raconté une blague. Un homme se désolait de la réputation de la langue allemande, qu'on disait dure, hachée, comparée au français, qu'on disait doux et harmonieux. Pour démontrer que cette réputation n'était pas fondée, l'homme avait dit d'une voix flûtée, « Die Vögel singen in den Wäldern », puis d'une voix gutturale, « Les oiseaux chantent dans la forêt ». J'ai ri aux éclats. Un peu plus tard, allongée dans ma chambre, je lisais. Mon téléphone a sonné. Ton papa va partir, il a quelque chose pour toi, il peut passer te voir. Il m'a tendu un sac en plastique qui contenait un dictionnaire d'allemand, une grammaire allemande et une grammaire italienne. Oh, merci, merci beaucoup. J'étais touchée, flattée. Il se tenait debout, au fond de la pièce, à contre-jour. Tu es tellement différente de mes autres enfants. Pourquoi ? Avec toi, tout est simple. Et j'ai l'impression que je peux être moi-même. Loulou est charmante. Loulou ? Oui, Louise, tout le monde l'appelle Loulou. Elle est adorable. Antoine est un petit garçon très sympathique. Mais ils ne me posent jamais de questions, eux, tu vois, par exemple. Ils ont de la chance pourtant de vivre avec toi, je trouve. J'aurais bien aimé, moi. Je suis fière d'avoir un papa comme toi, tu sais. J'aurais pas pu rêver mieux. Pour moi aussi, Christine, c'est une rencontre extraordinaire. Il me regardait dans les yeux. Il a fait un pas en avant et m'a embrassée sur la bouche. Le mot inceste s'est immédiatement formé dans ma tête. J'ai pensé en me le formulant, tiens, ça m'arrive à moi, ça. On descendait l'escalier. Le sentiment qui dominait en moi était la déception. Ma mère nous attendait en bas dans le hall. Je ne lui ai pas parlé du baiser sur la bouche. Je l'ai traité comme un événement unique qui ne se reproduirait pas. J'ai compté sur une mauvaise interprétation de ma part. Je l'ai extirpé de ma tête. L'image me traversait l'esprit. C'était fugace.
Je ne voulais pas la faire exister. Je ne m'y arrêtais pas. Je restais sur l'élan des premiers jours comme une chanteuse qui tient la note. La lecture des livres de grammaire était difficile. Mon esprit s'évadait. J'étais envahie par une impression informe, diffuse, insaisissable, désagréable, dominée par une inquiétude sur mon avenir et ma vie amoureuse future. Je faisais comme si cette inquiétude n'était pas fondée. Je me focalisais sur les aspects positifs. J'ai mis le baiser sur la bouche entre parenthèses. Je l'ai considéré comme un épisode isolé ne méritant pas d'être souligné. S'il recommençait, j'ai pensé que je lui dirais que je ne voulais pas. Il a téléphoné la veille de notre retour à Châteauroux. J'étais assise au bord du lit, combinée à l'oreille, un gros téléphone en plastique noir. La voix de mon père était douce, proche. Ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti pour personne. Tes enfants, ça n'a rien à voir. Avec toi, j'ai l'impression d'avoir rencontré un autre moi-même. Tu es devenue en quelques jours la personne la plus importante de ma vie. Moi aussi, je ressens ça. C'est parce qu'on se ressemble, tu crois ? Peut-être. Je vais te garder dans mon cœur et penser à toi. Tu veux bien ? Bien sûr, moi aussi. Tu sais ce qui se passe là ? Quand j'entends ta voix au téléphone, comme maintenant ? Non. Mon sexe devient dur. Tu sais ce que ça signifie ? Non. Ça veut dire que je t'aime autant qu'il est possible et que je ne peux rien contre ça. J'ai reposé l'appareil sur son socle. Je n'ai rien pensé. Je ne ressentais rien. Je ne pensais pas. Il faut bien voir l'effort que fait la personne pour ne pas penser et ne rien ressentir. Ma mère et moi nous sommes promenés une dernière fois au bord du lac et on a pris la route. Les arbres défilaient par la vitre à intervalles réguliers. Je cherchais dans ma tête comment parler à ma mère du baiser sur la bouche. Ça restait à l'état d'idée. Je voyais la silhouette de mon père à contre-jour dans la chambre. Son image au moment où ses lèvres touchent les miennes. Je voulais le dire. Mon intention était claire. La forme était vague. Je voulais transmettre l'information. Je ne voyais pas comment. Je ne trouvais pas les mots qui correspondaient. Il ne venait pas. La phrase ne se formait pas. L'intention était là. Elle se fracassait sur un vide. J'ai refermé la parenthèse en espérant qu'elle se rouvrirait. Il est venu à Châteauroux quelques jours avant Noël. Je ne me souviens pas qu'il ait dit ou fait quelque chose cette fois-là. Il s'est comporté normalement, je crois. Il a fait une première visite à Reims fin février. Je l'ai attendu avec un mélange d'impatience
et d'appréhension. On est allé à Amiens. Dans la voiture, je lui ai posé une question sur l'école d'interprétariat de Genève. Il m'a répondu qu'elle était excellente mais difficile. On traversait un paysage banal, des plaines, un ciel gris. Il portait un pantalon en velours. Ses deux mains étaient sur le volant. Il en a posé une sur mon genou. J'ai fait comme s'il ne se passait rien. Je ne voyais pas quoi dire ni comment. Je n'ai rien dit. Je regardais le paysage devant moi, le pare-brise, les essuie-glaces couchés au bas de la vitre. La main allait et venait sur ma cuisse. Elle s'est déplacée vers le haut. J'ai été consciente de sa position à tout moment. Mon attitude était celle de quelqu'un qui n'a rien de particulier à dire, donc qui ne dit rien, qui ne fait rien. Mon état intérieur, à l'opposé, j'étais agitée. Ce que je ressentais aurait mérité d'être exprimé si je m'en étais sentie capable. Je dissimulais mon incapacité par un comportement sans histoire. Les passages de main m'inquiétaient. J'appréhendais leur parcours. Je craignais qu'il devienne de plus en plus difficile de faire semblant que la limite n'était pas dépassée ou de faire semblant d'accepter qu'elle le soit. Je ne les aimais pas. Il était impératif que ça ne dépasse pas une certaine limite parce que je savais que je ne saurais pas quoi dire dans ce cas. Mon esprit était occupé à raisonner. Il n'était pas vide. Je surveillais. J'avais une fonction, la surveillance. C'était une surveillance de tous les instants, proche, serrée sur le mouvement, le déplacement de la paume de main, ou même d'un doigt sur le tissu de mon pantalon, ne m'échappait pas. Je surveillais, je surveillais, je surveillais. J'étais obnubilée par ma fonction, d'autant plus qu'elle risquait d'être inutile et que je le savais, je le sentais, je le prévoyais, je n'étais pas bien. Si la limite que je pouvais faire semblant de supporter venait à être dépassée, comme je ne pourrais rien dire, je serais foutue. J'avais conscience que je ne saurais pas réagir et que j'aurais peut-être à en supporter plus. Mon raisonnement se bloquait avant. Je n'allais pas jusque-là. Je continuais d'interpréter les passages de main comme anodins et de m'accrocher à leur innocence. Il y avait un problème. Je le savais. J'aurais préféré qu'il ne me touche pas. J'ai préféré estimer que la limite n'était pas franchie et que ça passait. Dans le cas contraire, je n'aurais pas su comment réagir. J'ai préféré garder une interprétation favorable de la situation le plus longtemps possible, sachant que je n'avais pas d'autre solution. J'ai repoussé plusieurs fois la limite acceptable. J'étais pressée de sortir de la voiture, d'être mêlée aux passants. On est entré dans la cathédrale. Il m'a aidée à décrypter des inscriptions latines. Je me suis sentie privilégiée. On a visité les ortillonnages. On a déjeuné hors de la ville dans un restaurant classé. Le maître d'hôtel m'a proposé de la crème fraîche avec le saumon fumé. Non merci, j'aime autant avec du citron. Mon père m'a demandé après son départ.
Pourquoi lui as-tu dit j'aime autant ? Parce que je préfère. Alors dis je préfère. J'aime autant est une expression qui prouve un esprit moutonnier en prétendant à l'originalité, c'est idiot. Comme ces journalistes qui écrivent persiste et signe en croyant se distinguer alors qu'ils emploient un poncif. Moi, si j'étais journaliste, il a levé la main comme s'il tenait un stylo. Moi, si j'étais journaliste, il l'a rabattu sur la nappe. J'écrirais persiste, point. Et ce serait justement là l'originalité. Les portes de la déesse se refermaient avec un bruit lourd. À l'intérieur, on se sentait coupé du monde. Des cassettes enregistrées traînaient sur le tableau de bord. Je peux ? J'ai glissé l'adagio d'Albinoni dans la fente de l'appareil, calé mon dos sur le siège et renversé ma tête en arrière sur l'appui-tête. Tu es fatigué ? Tu veux t'allonger sur mes genoux ? Non, je suis bien, comme ça. Tu peux mettre ta tête sur mon épaule ? Non, ça va. Il n'a pas insisté. J'ai pensé, voilà. Il suffit que je dise non. J'étais assise sur mon siège, ses mains sur le volant. J'étais consciente qu'elle pouvait revenir. J'en avais peur. Mon attitude ne reflétait pas ma peur. Je pensais une chose, j'en manifestais une autre. Quand je dis que je ne pensais pas, c'est parce que je pensais tout le temps à quelque chose. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Mon esprit était toujours occupé. Je surveillais tout. C'était une surveillance constante, sans relâche. Les gestes, les expressions. Je traquais les signes d'évolution. Je contrôlais ce qui était effectif. J'appréhendais ce qui pouvait survenir. Donc, je ne pensais pas. Je ne pouvais pas. C'était impossible. Je n'avais pas le temps. Je devais juger, affiner le jugement, voir où c'en était, surveiller la situation. Je devais adapter mon point de vue à tout moment, le préciser. Je passais mon temps à surveiller quelque chose sur quoi je n'avais aucun impact. Je ne pensais pas à moi ni à la jeune fille que j'étais. Je n'avais pas le temps. J'avais autre chose à faire, identifier ce qui lui arrivait, pour limiter les avancées, envisager des parades, imaginer leur mise en œuvre. La surveillance ne changeait rien. Les gestes avaient lieu. Surveillance, barrage, contrôle. Quand ils arrivaient, il fallait faire semblant que ce n'était pas grave. Faire semblant est devenu une attitude générale, un automatisme applicable à tout, qui imprégnait toutes mes relations. L'attitude que je devais adopter avec lui déterminait ma façon de parler de lui aux autres. Il fallait qu'il y ait une cohérence. Je ne pouvais pas passer d'un état d'esprit à un autre radicalement différent selon les interlocuteurs, lui ou les autres. Lui ou ma mère, lui ou Véronique. Il fallait que ce soit cohérent avec tout le monde, avec lui et avec les autres. Je barrais l'accès aux points négatifs avec lui et avec les autres. J'insistais sur les points positifs. Je les accumulais. J'en faisais une forteresse à l'intérieur de laquelle ce qui existait n'existait pas. L'adagio d'Albinoni en fond sonore, on roulait dans une forêt. J'étais plutôt bien. Mon genou était libre. Il a remis sa main. Je m'y attendais. Je savais qu'il allait le faire. Je n'avais pas lâché. J'étais restée en état d'alerte. Les muscles de mes jambes étaient tendus sous ma main. L'état d'alerte ne changeait rien. Je ne pouvais rien empêcher. J'ai pensé qu'il fallait s'assurer d'un dosage et surveiller le dosage pour que les passages de main ne fragilisent pas trop le rapport normal. Ce risque me préoccupait. Je savais que la main allait repartir. Il allait la remettre sur le volant. Je me concentrais sur cet horizon. C'était un but, comme quand on regarde la côte depuis un bateau. J'étais impatiente de l'atteindre. Je regardais le tableau de bord en bois ciré, l'empilement des cartes routières dans la boîte à gants, le bouton bleu de la radio, le paysage défilait par la vitre latérale. Regardais sur le côté m'aidait, une plaine grise, fondue avec le ciel. Ce n'est pas très beau comme paysage. Intérieurement, j'argumentais pour moi-même. Une de mes thèses était « C'est par manque d'habitude que je suis mal à l'aise. Ces gestes peuvent sûrement s'intégrer à une relation père-fille normale. Je ne croyais pas à mes propres arguments.
Ils étaient forcés, tirés par les cheveux. Je savais que ce n'était pas ça. La probabilité n'était pas nulle. Elle existait, c'était une de mes thèses. La deuxième était que les passages de main empiétaient, risquaient d'empiéter sur le rapport père-fille normal. Je n'étais pas naïve, je le savais. Mais n'en demeuraient pas moins des gestes anodins. Je ne les appréciais pas à titre personnel. Une main sur un genou, c'était une déception comparée à l'idéal. Il provoquait en moi de la crainte. Mais ce n'était pas grave. C'était la deuxième thèse. Il y avait une troisième option. L'incertitude. L'interprétation pas si évidente, pas si claire. Je m'accrochais à cette incertitude, m'en voulant de ne pas être plus à l'aise, me trouvant bête, gamine, ridicule. La route traversait une plaine. J'essayais de faire comme si je ne sentais pas la main et que ça n'avait pas d'importance. Faire semblant, imaginer, me mentir à moi-même étaient mes recours. Donc j'étais concentrée. Il le fallait. Il s'est garé à l'entrée d'une forêt. Il voulait faire quelques pas dans la nature. On s'est engagé dans un sentier. La manche de son manteau touchait le mien. Il a levé la tête vers la cime des arbres. Regarde, ce sont des hêtres. Il a ramassé une feuille au sol et m'a montré les nervures. Tu es bien là? Tu aimes ce silence? Oui. Il a posé sa bouche sur la mienne. Ouvre les lèvres un peu plus. Il a eu un sourire attendri. Non, il faut respirer par le nez, pas comme ça. Le baiser sur la bouche de Gérard May avait été rapide, le moment de poser les lèvres et de les retirer. Celui-là a été humide, mou, glissant, long. J'ai été surprise par la salive. Elle débordait sur la peau. Mon menton était mouillé. Je n'osais pas l'essuyer par peur de le vexer. Il a pris ma taille entre ses doigts, sous mon manteau, pour me rapprocher de lui. Je suis rentrée à la maison le dimanche soir. Ma mère avait été seule tout le week-end. Elle était allée au cinéma. Le film était bien ? Oh, tu sais, c'est pas très drôle. Tous les autres sont en couple, toi t'es là, toute seule, comme une imbécile. Le film était bien ou pas? Sans plus. De toute façon, j'ai le cafard en ce moment. T'inquiète pas, ça va passer. Et toi, ça a été? Très bien. 'Distordre la réalité. D'un côté, un blackout total. De l'autre, une mise en lumière excessive. Me demandait des efforts. Il fallait ignorer des pans de réel entiers, éclairer les points positifs, faire semblant d'avoir oublié certaines scènes, maintenir à flot un niveau de fierté. J'avais une période de référence, les 8 jours entre la rencontre à Strasbourg et le baiser sur la bouche à Gérard May. Une unité de mesure, la joie que j'avais éprouvée entre ces deux dates. Une méthode. Il fallait que je puisse prétendre à mes propres yeux que j'étais heureuse. Je devais me convaincre moi-même. Il fallait traiter les scènes en trop par le mépris et les considérer comme des scories à déblayer. Il était passionné d'aviation et prenait des cours de pilotage. Il est venu me chercher en avion à Reims pour aller au Touquet. L'hôtel était situé rue de Paris, à 2 pas de la rue Saint-Jean, au centre de l'animation. Un boulevard longeait la mer. Une femme se promenait sur la plage. Il a trouvé émouvante la façon dont elle chancelait sur ses jambes. Un peu plus loin, il m'a fait remarquer un homme
qui avançait en plantant ses deux pieds dans le sol et s'est émerveillée des différences entre les sexes. « Tu aimes être une femme ?»« Oui. »« Pourquoi aimes-tu être une femme ?» Je n'ai pas trouvé d'argument. Je n'ai pas su justifier ma réponse. Je n'ai pas pu expliquer. De retour à l'hôtel, il me regardait en appui sur un coude. Tu es belle ? Il a mis sa tête entre mes jambes. C'était une sensation, une situation que je n'avais jamais imaginée. Il a commenté la forme de mon sexe, la couleur, l'odeur. Il l'a caressée. C'est bizarre, j'ai de la sueur au sexe. Ce n'est pas de la sueur. Ça veut dire que tu aimes. Il a fait des remarques sur le goût. Il a mis un doigt à l'intérieur de mon vagin. Le doigt s'est enfoncé. C'est difficile, tu sais, pour un homme de désirer une femme pendant des heures sans pouvoir se libérer. Regarde mon sexe. Tu vois ? Touche. Tu veux bien le toucher ? Au restaurant, sa chaussure touchait la mienne. Il me regardait fixement. Je bande. Et si ma vie est gâchée ? Au contraire, tu ne risques rien avec un homme qui t'aime. Pourquoi au contraire ? Les femmes se plaignent beaucoup, tu sais, des difficultés qu'elles ont avec les hommes. La plupart ne font pas attention à elles, ils ne savent pas leur faire l'amour, ils ne savent pas ce qu'elles aiment. Toi, tu auras une expérience, tu auras un point de comparaison, tu gagneras du temps. Pourquoi tout le monde dit que c'est dangereux alors et pourquoi c'est interdit ? Ça n'a pas toujours été le cas. Dans certaines sociétés très évoluées, c'était un signe de distinction, contraire de supériorité. C'était un privilège qu'on accordait aux pharaons de pouvoir épouser leurs filles. Et dans certaines civilisations, une marque de la très haute aristocratie. Oui, mais nous, on n'est plus dans cette civilisation. Au Touquet ou ailleurs, il m'est arrivé de voir ses yeux s'ouvrir au réveil et découvrir mon visage sur l'oreiller en ayant l'air de m'aimer. Il y a probablement eu des sentiments. Je ne peux pas tout mettre sur le compte de la manipulation. Ça paraîtrait un peu facile. Mon père m'a téléphoné à l'occasion d'une mission à l'UNESCO pour me proposer de le rejoindre à Paris. J'aimerais bien avoir des relations avec toi comme celles qu'ont les autres enfants avec leur père. Je voudrais savoir ce que c'est. Je voudrais vraiment connaître ça. J'en ai besoin. Est-ce que tu serais d'accord ? Bien sûr. Ce n'est pas le plus important entre nous. J'ai pleuré de joie au téléphone. J'avais peur que tu ne veuilles pas. L'hôtel se trouvait rue de Richelieu. On entrait par une double porte en verre. Un paillasson couvrait la largeur du seuil et portait l'inscription « Hôtel de Malte ». On a pris à droite en direction de la Seine. Je lui donnais le bras. Il a dit au bout de quelques mètres, tu te rends compte de ce que tu fais, là ? Quoi ? Tu te rends pas compte que tu serres ton sein contre moi ? Non. Tu es sûre que ce n'est pas volontaire ? Mais non, pas du tout. Tu ne le fais pas exprès, je t'assure que non. En tout cas, sache que tu me fais bander. Tout est gravé dans ma mémoire. La sensation de ma taille dans l'espace. Le rapport entre la hauteur des immeubles et la largeur de la chaussée. Les 50 mètres entre la porte de l'hôtel et la fin du trottoir. Il y avait un élargissement puis un resserrement.
les sentiments qui m'habitaient, la peur, la tristesse, contrebalancée par la joie de déambuler dans Paris, l'espoir de rester dehors le plus longtemps possible et l'obsession de tout voir. Ma chambre avait deux grandes fenêtres qui donnaient sur la rue. Le regard ému, il tapait le bout de son sexe à l'entrée du mien. J'ai mis ma main sur son torse. Attends, je voudrais te dire quelque chose. Je préférais que tu n'entres pas dans mon vagin et que ce soit pas toi qui me déflore. Tu veux bien ? Ne t'inquiète pas, je reste au bord. Laisse-moi encore un petit peu, c'est tellement bon. Tu n'entres pas, hein ? Sinon, moi, plus tard, je n'aurai plus rien à découvrir quand je serai avec un garçon. Ne t'inquiète pas. J'ai pensé. Je me suis peut-être trompée sur lui. Il n'est pas égoïste, en fait. Il se soucie de mon avenir. Il ne pense pas qu'à lui. Je l'ai peut-être jugé trop sévèrement. Je ne lui fais pas assez confiance. Ce n'est pas bien. J'ai tort. Je ne t'imposerai jamais quelque chose que tu ne souhaites pas. Et on aura tout le temps de le faire après. Claude et moi avons passé les vacances en Grèce. Il m'a photographiée à l'arrivée du bateau. Je souriais, le dos appuyé contre un olivier, la tête penchée sur le côté. Je portais un t-shirt mauve. J'avais maigri. On voyait mes os qui saillaient dans le décolleté. Au retour, on marchait dans les feuilles mortes en parlant de notre avenir lointain. On s'est dit qu'on voulait marcher côte à côte comme ça toute notre vie. On a décidé de se marier. On a déposé les bancs à la mairie. La date a été fixée au 30 janvier. J'ai pensé, je dois être particulièrement forte, particulièrement équilibrée. J'ai vécu un inceste, bon, d'accord. Mais je n'ai pas été détruite. Je réussis mes études. Je viens de rencontrer quelqu'un. On va se marier. Je l'aime. L'inceste est fini, c'est terminé, c'est clos. Je suis passée entre les gouttes. Je suis tirée d'affaire. J'ai beaucoup de chance. J'avais 22 ans. J'avais déjà été plusieurs personnes. La fille sans père de Châteauroux, la fille émerveillée de l'avoir rencontrée, celle qui ne disait à personne ce qu'elle vivait en réalité, il y avait une sortie de route, ma vie s'était arrêtée, elle reprenait. Ma vie reprenait. Laquelle ? Celle d'avant ? D'avant mes 13 ans ? Celle que j'aurais dû avoir s'il n'y avait pas eu ça ? Elle reprenait où ? Là où elle s'était arrêtée ? C'était possible ? Je me sentais bien, je me sentais libre, je ne voyais plus mon père, ça me faisait du bien, c'était bien. C'était définitif ? Ou est-ce que le temps allait passer et que j'allais le revoir dans d'autres conditions ? Est-ce que j'avais renoncé à le voir ? J'étais bien, je respirais, mais j'étais où ? J'étais qui ? J'étais dans quelle vie ? Je respirais, j'étais libre, j'étais bien, mais il n'y avait rien d'essentiel. Je ne faisais rien d'essentiel. Les cours ont commencé début octobre, on arrivait Gare de l'Est, on prenait le métro, le RER, un bus jusqu'à Luxembourg.
Joël m'a dit un jour sur la banquette arrière, « C'est quoi, toi, ton métier de rêve ?»« J'en ai pas, et toi ?»« Moi, critique de cinéma. » »« Tu te rends compte, c'est extraordinaire, t'es payé pour voir des films, t'imagines ?» C'est pas très réaliste, ça concerne quand même très peu de gens. Je ne savais juger ni les événements de ma vie, ni mes sentiments, ni ceux des autres. Je ne comprenais pas ce que je vivais. Je voyais ce qui me manquait, ce que je ne vivais pas. Je savais que j'avais un problème à régler. Je ne savais pas comment le résoudre. Je me demandais si quelque chose pouvait m'arriver qui changerait le cours de mon existence. Je ne me sentais pas vivante, pas en train de vivre. J'étais comme endormie, comme anesthésiée. J'avais des inquiétudes sur ma santé que je gérais plus ou moins. Un nœud dans la gorge en permanence et de la peine pour la jeune femme que j'étais. Je trouvais que mes 23 ans n'éclataient pas. Mon médecin savait que j'avais vécu un inceste. À la fin d'une consultation, je lui ai demandé « Est-ce que vous croyez que je devrais faire une psychanalyse ?»« Ce serait une très bonne idée. » Il a griffonné un nom sur un papier et me l'a tendu. « Tenez, c'est quelqu'un de formidable, il m'a dénoué des situations terribles. » Dans les débuts de l'analyse, après une nuit difficile, un dimanche matin, j'ai appelé mon père. Une voix féminine a répondu. « Ango, et allô ? Est-ce que Pierre est là, s'il vous plaît ?» La voix a crié. « Papa !» J'appelais chez lui pour la première fois. « Oui, allô ? C'est Christine. » Comment vas-tu? J'ai envie de me foutre en l'air. Dis pas des choses horribles. Que se passe-t-il? Il se passe que je n'arrive plus à vivre. Que je dors plus. Que je voudrais qu'on me donne un coup sur la tête. Au moins comme ça, je dormirai. J'en peux plus. Je suis fatiguée. J'y arrive plus. J'ai été obligée d'arrêter mes études. J'arrive plus à rien. À rien. Je ne sais pas de quelles études tu parles, de quelles études il s'agissait. Tu ne m'as jamais consultée. Un DEA de droit social à la Sorbonne. Très difficile à obtenir. J'arrivais plus à étudier. J'étais tout le temps fatiguée. Je vais très mal. J'ai perdu 15 kilos. Tu devrais voir un médecin. Qu'est-ce que tu crois? Je vois que ça, des médecins. Toi, pendant ce temps-là, tout va bien? Ta famille, ton dimanche, tu passes un bon dimanche? Là, avec ta petite famille, ils sont contents? Ils vont bien? Ça va, leur vie? Je t'en prie, calme-toi. Comment ça se passe avec ton mari? Tu t'es mariée. Heureusement qu'il est là. C'est la seule personne qui me fait du bien. Je ne vais pas pouvoir rester au téléphone. Tout le monde commence à se demander ce qui se passe. Tu peux m'appeler demain au bureau? Je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai passé une nuit horrible, une de plus, pour que tu saches les conséquences de ce que tu as fait. C'est tout. Ne dis pas n'importe quoi. Je dis n'importe quoi? Je dis n'importe quoi! Comment tu oses? J'ai été obligée de commencer une psychanalyse. J'y vais 3 fois par semaine. C'est dur, c'est très dur. Ça coûte cher. Tu m'as fait beaucoup de mal, beaucoup. Voilà ce que je voulais te dire pour que tu le saches. J'ai envie de crever. Je veux que tu le saches. Et que c'est de ta faute.
devrais faire attention, tu sais, ce genre de traitement ne convient pas à tout le monde. Et peut causer beaucoup de dégâts chez certaines personnes. Mais oui, bien sûr, c'est la psychanalyse qui cause des dégâts. J'ai claqué le combiné sur son socle. Au bout de quelques mois d'analyse, je me suis inscrite en DEA à la fac de Reims. Mon mémoire portait sur l'imputabilité des crimes contre l'humanité en droit international. Je suis tombée amoureuse d'un étudiant. J'ai eu une brève histoire avec lui. Il vivait avec quelqu'un. Moi aussi, mais je pensais que moi, c'était par handicap et incapacité d'être avec un autre que Claude. Je rêvais de me séparer de lui. Je me disais qu'il m'entravait, que je pourrais déployer mes ailes, vivre, m'envoler, être avec quelqu'un qui me plairait. J'essayais de démarrer ma vie. Je faisais des listes de ce que chacun emporterait quand on divorcerait. J'y renonçais, comme à des rêves. J'avais peur de rester avec lui autant que de le perdre. J'écrivais depuis quelques mois. J'avais commencé un roman. Le titre était « Mélodrague ». Ma mère a tapé mon manuscrit. Je l'ai envoyé à des éditeurs. Je n'avais pas vu mon père depuis 10 ans. Je lui ai écrit. Dans la lettre, je disais que j'allais mieux, qu'il était mon père, que je tenais à lui et que j'aimerais qu'on ait enfin des relations filiales. Il a répondu. Il était d'accord. On s'est donné rendez-vous à mi-chemin entre Reims et Strasbourg. J'ai dit à Claude et à ma mère qu'il acceptait d'avoir des relations normales et que je le rejoignais à Nancy. Ils ont exprimé des doutes. J'ai répondu que je me sentais forte. Comment vas-tu ? Très bien. J'ai fait des études au Collège d'Europe. C'est une excellente école. On a beaucoup d'administrateurs au conseil qui en viennent. J'ai arrêté parce que j'ai écrit un roman. Formidable. Tu comptes l'envoyer à des éditeurs ? C'est déjà fait. Tu attends les réponses alors ? Oui. Et ça se passe bien avec ton mari ? Il vit à Nice, lui, maintenant. On est séparés. Mais il reste la personne dont je me sens le plus proche. J'ai entièrement confiance en lui. C'est plutôt rare, tu sais, dans un couple. Pourquoi vous séparez-vous ? C'est dommage. Quand j'ai été malade, on a traversé des moments difficiles. Ça nous a abîmés. Et comme je ne suis pas très sensuelle, physiquement, les relations sont devenues compliquées. On est moins sensuelle à 25 ans qu'à 15, alors ? Je n'ai rien répondu. J'avais peur. Je comprenais que j'avais été naïve, que je n'aurais pas dû venir à Nancy, qu'il me rappelait à la fonction sexuelle qui m'avait été attribuée et au rang d'enfant de seconde zone qui n'avait jamais cessé d'être le mien. Il a pris les clés à la réception de l'hôtel. Il m'a accompagnée dans ma chambre. Il était très excité. Il effleurait mes lèvres et les pinçait entre les siennes. Il me disait des mots d'amour en caressant mes cuisses et mes fesses. Il a introduit le bout de son sexe dans mon anus. « N'aie pas peur, détends-toi, tu es trop crispée là. » J'ai dit « Attends. » Je me suis mise sur le dos, bras écartés, sans résistance. J'ai pensé « Tant pis. »
J'en ai marre d'essayer d'argumenter. Ça ne sert à rien. Je me suis sabordée. Je ne croyais plus à rien. Je me suis soumise à la réalité. Je voulais que ce soit clair et définitif, qu'il n'y ait plus rien à protéger, plus de limites à surveiller, ne plus être confrontée à mon échec. Ma vie amoureuse était saccagée, je le savais. Il n'y avait plus rien à faire, un peu plus, un peu moins. Ce n'était qu'une différence de degré. J'étais indifférente à moi-même, à ma vie, à mon avenir. Ça me rendait triste. J'étais triste. Ça n'avait plus d'importance, puisque faire autrement était impossible, que c'était inexorable. Je n'avais plus d'arguments à opposer à mon père, je n'en cherchais pas. J'avais 26 ans. Celui de la virginité qui avait été pertinent 13 ans plus tôt ne l'était plus. Après une visite de mon père à Nice, les contacts se sont résumés à des coups de fil. On parlait de ses recherches en linguistique et de mes envois aux éditeurs. Je n'étais toujours pas publiée. Mon dernier manuscrit contenait une allusion à l'inceste, une toute petite phrase à la dernière page. Ce n'était pas développé. Je l'ai envoyé à mon père. Il m'en a parlé au téléphone. Tu as un style, c'est bien. J'ai noté une ou deux choses, oui. Dans la scène à Amsterdam, tu écris « On vit, on choisit, on part ». Tu peux élider le sujet. On vit, choisit, part. Pourquoi pas ? Tu devrais écrire sur ce que tu as vécu avec moi. C'est intéressant. C'est une expérience que tout le monde ne vit pas. Tu as vu la dernière page ? Bien sûr. Ça ne te gêne pas ? Pas du tout. C'est une question de style. Il faudrait que le lecteur s'interroge, qu'il se demande s'il est dans le rêve, dans la réalité, que ce soit un peu incertain, un peu à la manière de Rob Grillet. Tu as lu son dernier roman, Jean ? J'ai éclaté de rire en raccrochant. Je marchais dans l'appartement, de long en large, d'un mur à l'autre, de la porte à la fenêtre, en parlant toute seule. Tu te trompes lourdement, mon vieux. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Je ne vais certainement pas le faire à la manière de Rob Grillet. Alors là, certainement pas. Je haussais les épaules, j'écartais les bras. Tu as vraiment imaginé que j'allais continuer à t'obéir à ce point-là ? T'es un peu con, en fait. Ouais, t'es con. Connard, va. Qu'on sache pas si on est dans le rêve ou dans la réalité. C'est toi qui rêves. Si j'écris, tu penses que c'est pour m'aplatir ? Il est fini, ce temps-là. Pauvre con, va. Tu penses que j'avais besoin de toi pour me donner l'idée d'écrire ce que j'ai vécu ? Tu me prends pour qui ? Je te méprise, en fait. T'es juste un pauvre petit bourgeois littéraire de merde, à la manière de Rob Grillet. Non mais ça va mal ou quoi ? Si j'arrive un jour à écrire ce truc, ça sera certainement pas la méthode que j'emploierai. Certainement pas. Ce sera tout à fait clair. Au contraire, j'espère, si j'y arrive, pauvre con !
J'ai lu Jean dans l'avion qui me ramenait à Nice. Je vais m'arrêter là pour le livre. Et puis j'ai envie de vous dire quelque chose. De répondre la vérité pour une fois à une question qu'on m'a beaucoup posée dans cette rentrée. Est-ce que ça vous a réparé ? Est-ce que vous allez mieux ? Est-ce que ça vous a fait du bien ? Non, ça ne m'a pas réparé. Non, ça ne m'a pas fait du bien. Ça m'a fait du mal. Écrire, ça fait du mal. Écrire ça, ça fait du mal. Ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien que ce qu'on avait en soi, ce qu'on avait gardé pour soi, ce qu'on avait gardé à l'intérieur de soi, soit dehors, à tout vent. On le fait par amour pour la littérature, par croyance, parce qu'on pense que c'est beau. Et après, il y a des gens, dans des librairies, journalistes aussi, qui vous demandent si ça vous a réparé. Et comme vous êtes dans une situation sociale, ben, vous ne pouvez rien faire. Et vous détruisez tout le travail que vous venez de faire. Voilà. Donc ça, voilà, je vous le dis. Il faut le savoir. Ça ne répare pas, écrire. Non. Ça détruit un peu plus. Mais ça permet de vivre dans la littérature. Et c'est beaucoup mieux.